Béar, bonjour à tous, c'était Camon, on se retrouve dans Mind Over Magic, heureux sur Twitch évidemment, 21e épisode pour toi YouTube. Depuis ce matin nous avons fait quoi? Nous avons amélioré nos classes intermédiaires, nous avons fait une cuisine, une recherche à 200%, et on travaille actuellement, d'un côté on a invoqué un élève pour devenir apprenti en ténèbres, pouvoir libérer Osef, puisque le perso qui est prisonnier, je l'ai baptisé Osef. Voilà, il va me falloir un apprenti, Tenchu, qui sera recruté quand il sera prêt, et pourra libérer Osef normalement, et on pourra la virer, paf, voilà. Avec le but, elle va nous donner des reliques. Entre temps, on a invoqué Acid et Soren, deux petits initiés en magie, qui vont devoir capturer des rats pour amener de la popote à la maison. Encore un combat pour toi, Acid et Soren. Soren aura besoin de charger une lanterne de mana 3 fois. Bon, ça va pas être compliqué. Et Soren, quand tu seras formé, bah, on va te diplômer et comme ça, tu auras des reliques pour l'école. C'est la nuit et tout va bien. Bon, à part évidemment ces croix-croix qui m'embêtent énormément la nuit. Mais là, ça va être bon. Il n'y a plus de croix. J'entends, mais je vois pas. Ah! Edith. Il y en a encore un. Attends, je comprends pas. Il y a encore un nid. On est où là? Mais oui. Voilà. Et côté croix. Voilà. On va détruire celui-là aussi. On donne des missions, on est reparti. Tranquille. Parfait. Edith, non, tu restes là. Il y a encore une saleté là. Allez, vas-y, occupe-toi. La cuisine. Alors, on a tué des rats. Ragout de carcasse, ça remonte. L'âprerie, tous en 3. Voilà, on va améliorer la production d'âprerie. C'est un ordre. Puis le reste, on s'inquiète pas, tout va bien, en recousu. Inventaire de l'école. C'est bon, j'ai mes 4 transporteurs. Ça dure encore un jour et demi. Le cadavre, tu veux pas le prendre? C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on va y arriver. On va faire notre élevage de rats. Récolter par 5. Priorité absolue. Ce serait pas mal. Construire. Pâturage. Je peux faire plus parce que ça consomme des gousses de verre d'herbe. Voilà, c'est ça. Et des joncs fumants. Ok. Maintenant, un nid de rat, ce sera encore des gousses de verre d'herbe. On a toujours le même problème. Et un râtelier, des gousses de verre. Ah, bah, décidément! En priorité 5. Et ici, à gauche de l'école, il y en a encore. Récolter, priorité 5. Bon. Tout ça, c'est de la prairie. Ok.
On en fait pas mal, hein. Priorité, on va le passer en 4. C'est très important la priorité pour la cuisine, s'il vous plaît. On va les laisser améliorer le jardin, on est relax, tout se passe bien. Quand c'est qu'on a eu des fragments de gnose? C'est rigolo ça. En faisant des cours de magie, on en obtient? C'est nouveau. Ok. On augmente son obscurité, c'est bon. Tenshu, ça travaille bien. Acide. Bah, en fait, il nous faudra un combat. On est en pleine école. J'ai pas trop envie. Quoique c'est Iris qui enseigne à Tenshu. Qu'est-ce qu'on a là? On est avec Acide. Allez, on y va. On se fait une petite bagarre. Ça devrait le faire. Voilà, moins de gens dans les potagers, bien sûr. Mais pendant ce temps, mon mage, lui, l'enseignement continue. Parfait. Et Soren aussi. Soren qui va aller... recharge la lanterne. J'en ai qu'une seule. Va recharger... Non, on peut pas. Ok. Si je regarde là... Charger une fois. Ok. Et pendant ce temps, mes guerriers... Je crois que Soren a fini son apprentissage. Alors, on en a deux. On va piquer, hein. Aïe. 92. Oh, c'est beau. Pas assez, mais beau. J'ai pas réussi à atteindre la bestiole derrière, la chauve-souris. Niveau 5. Excroissance ou infusion de puissance? Excroissance. Prends des ronces! Les boules de feu! On regagne 50 de fer, c'est pas rien. Franchement, c'est beau. Ok, Acide a encore pris 32 points d'expérience en nature. Bravo à toi. Geneviève, tout de suite à l'hôpital. Parce que, hein. Qu'est-ce que fait Iris? Iris va recharger les lits médicaux. Parce que pour les soins, ça sera mieux. Et alors, ça va. Alaouir, pas de dégâts. Et Acide non plus. Très bien, je n'ai qu'un seul patient. Ah, ils vont faire quoi, eux? Détruire les nuits. Ok, ce sont les initiés qui vont les détruire, les initiés. Mais non, c'est fini. La blague, ils ont pas eu le temps. Ah ouais. Les initiés, du coup, les tâches... c'est pas top, ça. C'est un peu trop loin pour eux, ça. Acide est ok, tout va bien. Le pâturage est fait. Ok. Bon, il faut vraiment du vert d'herbe. Il n'y a pas le choix. C'est dommage qu'il se passe ce qu'ils font. Ouais, et là, j'aurais besoin. Laisse tomber un peu la recherche. Allez, j'en veux un petit peu. Un magicien puissant vient d'arriver. Mais c'est quoi tous ces gens? Trois nouveaux apprentis. Oh la vache! Ah bah tiens, nous avons ces trucs-là bizarres.
Ils sont doués. Ce sont des doués, doués, doués. Ça me perturbe un peu. Par contre, celui-là, c'est un match de quoi? De terre, voilà, je ne savais plus. C'est un magicien de terre. Le jeu nous fait un cadeau, empoisonné. Est-ce qu'on a trois lits de dispo? Appartient à Elor. J'ai un lit dispo. Acide. Tenshura. Iris et Geneviève. Donc j'ai qu'un seul lit de dispo, moi. J'en ai un deuxième ici. J'en ai trois, c'est bon. Ça change absolument tout. Bon, on va diplômer Acide. Acide, merci. Parce que quand il y a trop d'étudiants, on a un problème. Ça fait des perturbations de bonheur. Et Soren, t'es en train de regarder des astuces pour Space Engineers. Ah oui, t'as raison. Voilà, Acide, pour service rendu. Merci à toi pour la relique d'avance. Soren, est-ce que tu peux recharger encore la lanterne, vite fait. Et on a obtenu une relique. Merci. Hein, trop développé, griffe. C'est cool. Et on va virer aussi Soren le plus possible. Je suis désolé. Donc Soren, il ne manque plus qu'une recharge. Ok. Queen, Rose. J'ai pas besoin de Rose non plus. Passer deux jours consécutifs sans jamais être très fatigué. Ok. Repu, reposer, relax en même temps. Ok. Lancer un sort en ayant envie de se détendre pendant les cours. Oui, bon, bah, ça va aller. Le Simon. Sans jamais être fatigué. Sort en étant repu. Et participer deux fois à un rituel. Ah, Simon a besoin de participer à des rituels deux fois. Et Queen. Queen. Lancer 25 sorts. Nettoyer 3 saletés. Et danser, d'accord. Donc Queen, déjà, on va retravailler ça. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est que Tenshura s'améliore en travail. Il y a du monde, hein, aujourd'hui. Elor fait quoi? Elor jardine. Iris se promène. Ah oui, veut danser aussi. C'est sympa comme tout. Pourquoi elle a un urticaire de champisport? Est-ce qu'on cultive des champisports dans le coin? Je suis en train de me demander. Tiens, on va le déplacer, le piège spectral. On va le mettre ici. Le chemin de pierre. On en est où? Problème de ressources. Verne herbe 14. C'est pas terrible. Hein. C'est franchement pas terrible. On
On va l'obliger un petit peu. On va dire à Edith de bosser. Edith va faire le travail pour nous. Tant pis. Voilà, Edith va bosser en non-stop. On a besoin. Les repas, tout se passe bien. Non. On a des bêtes de gruau. C'est pas top. On a un problème. On a un problème. Ils vont mourir de faim. Expliquez-moi pourquoi. Voilà. Allez, tout le monde s'y met parce que ça va pas le faire. Geneviève, tu viens chasser. On a un problème. Ils peuvent pas les initier. Ouais. Iris, tu t'en vas pas, il y a du rat à tuer. Et l'or, c'est pareil. Tu chasses. Allez, on va tenir tout le monde en piste. Geneviève, s'il te plaît. Ok, c'est massacre, là. Iris, t'es ultra rapide. C'est pété. Et l'or, je te vois. Ok. Ça va venir ramasser, les initiés viennent ramasser les déchets. C'est parfait. Verre d'herbe, on est remonté, c'est bon. Cuisine, ça devient grave. Bon, gruau au miel, on va oublier un peu. Hein. Apreri. Comment on devient prioritaire, moi je te jure, c'est compliqué. Skelly veut venir faire un ragoût de carcasse. On a un problème en priorité. Qui c'est qui aime cuisiner? Ah là oui. On m'a dit tu vas t'y mettre. Hein. En cuisine, Iris aussi aime un peu cuisiner. Très bien. Et nous avons Rose qui peut cuisiner un peu, ainsi que Soren. Allez. Attends, elle va chercher. D'accord. Alors, cadavre magicien. On va peut-être ranger ici, hein. Virer les petites carcasses de là. Pas top ça. Et du coup en ragoût on est remonté à 3. Et allez manger des gruaux.
parce que ça va être terrible sinon. Faut qu'il mange. On va avoir un problème. Ragout 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, c'est beaucoup trop. Soren. Recharge la lanterne. Là, on a un problème imprévu. On a réussi nos épreuves, c'est cool, il reste plus que la formation. Tenchu, ça bosse. Alors, Simon a fini un apprentissage complet. Ok, Soren aussi. C'est bon, l'éducation continue. Ragout Carcasse 6, ça va mieux, ça va mieux. Vert d'herbe 70. C'est là qu'il faut voir maintenant. 75 et le ratelier 75. Ah mais c'est tellement cher. Et la nourriture du coup pourra à partir d'abreuvoirs de baies boyaux. Non mais je t'en prie quoi. Rocher caramel. Vivifié et brisé. On va autoriser du coup Geneviève. Reste sanglant. Seul le lupin est vivifié. Enfin, on va dire pour... voilà. La cuisine devient un problème, vraiment. Alors, question de Soren. Excuse-moi, je viens juste de voir. À quoi sert la conviction? La conviction, c'est le bonheur. Je vais prendre mes jeunes recrues qui viennent d'arriver. Lui est au maximum, tu vois, cible 94, je suis carrément heureux. S'ils descendent en dessous, s'ils arrivent en dessous de 50, qui viennent dans la zone rouge, vraiment très rouge, ils peuvent avoir des malus, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des secrets négatifs en bizarrerie. Donc pour l'instant, ils sont positifs en bizarrerie, genre j'aime bien dormir avec machin. Attention à Simon, Simon il est pas terrible, il a deux bizarreries négatives lui. Elles vont se déclencher s'il devient malheureux. Soren déteste utiliser l'air. Négatif bizarrerie aussi. Voilà. Tenchu aime utiliser la terre, par exemple. Positif. On va continuer à faire des reliques. Hein. Alors, la bonne nouvelle, Soren, tu es niveau 3. Je suis désolé, Soren. On va te mettre en diplôme. On va te remercier. Et c'est qui aime bien assister au rituel? C'est Simon. Mais Simon, je pense que tu peux pas venir. Remise de diplôme. Simon n'a pas le droit d'accéder à ça. Merci à toi, Soren. Déjà, en repas, ça valait un peu mieux. C'est vraiment une question de bonus, malus. Le jeu est très progressif. Il n'y a plus qu'à nous débarrasser de Queen, de Rose. Mais pas de Simon. On va avoir besoin de Simon pour les rats. Donc ça, ça monte. Et ça, c'est quoi? Ouais, on s'en moque. Et Queen, combat ou pas combat? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est... Ah oui, un sort de foudre, ok. Queen a-t-il besoin de se battre? Non, il doit nettoyer 3 fois. Et danser tout seul. Queen va danser. Ça va être compliqué avec tous les balais brosses. Hein. Il va y avoir encore combien de temps? C'est bon, les carcasses, ça revient. On va continuer la verre d'herbe à récolter et chasser les rats, il faut tenir. C'est parti.
Nouveau, on a débloqué quelque chose en fabrication. Le wok du dragon. Le niatisrin, du boire unique, ça on sait pas le faire. Pour l'instant, ça va venir. Et on est en ce moment sur la classe pet feu. Voilà, on va pouvoir avoir un mage de feu plus tard qui remplacera à la Weir, un doué. Ça va être super bien. C'est énorme ce qu'il me faut, hein, franchement. En repoussoir de brume. On peut pas. Pas cette phénix, pas cette pétale gelée. Faudrait que je déplace entièrement tout ça. Alors, il y a une technologie magique qui va en train de porter les bâtiments en l'air. On pourrait s'amuser à faire des serres aéroportées, ça serait pas mal. Ok. Mon école se porte bien. De phénix, pétale glacé. Ah ouais, compliqué ça aussi. On va leur demander. C'est la nuit, Edith, tu bosses, ça va. Grue au miel, ça remonte. Plus 5 de bonheur, là moins 10 de bonheur quand ils en mangent. Mais j'ai pas mieux pour l'instant. Reste sanglant. Plus 20. Qui mange de la soupe de béboyau? Ça, faut que je fasse attention aux statues. On va jeter un œil. On n'a pas mangé dans une pièce. Ok. C'est pas trop méchant. Mangera si planifié, satisfait, oui. Comment ça, ils sont pas planifiés? Ben voilà. Ça marche. Les ennemis de donjon sont réapparus. Ça arrive. Par contre, Inshura, t'es niveau 5. Requiert un membre qualifié. Est-ce que, Inshura, tu peux me fabriquer un mineur? Non. Pourquoi? Pas de mage qualifié. Tu es apprenti, ça marche pas encore. Il me reste plus qu'encore un niveau d'obscurité à prendre. Faut du temps. Pas de saleté nulle part.
Ah oui, attends. Pas top ça. Il faudrait que je nettoie pour Queen. Ça va être compliqué. Et Rose. A tout réussi. Il reste plus que ça. Rose va bientôt pouvoir nous quitter. Simon est formé. Mais on va garder Simon. D'ailleurs, si on regarde, est-ce qu'il y a du coup des interférences? Pas de discordance. Ah ouais? Donc on est devenu assez important en école, donc je me panique pas. Allez, Tenchu, s'il te plaît. Cinq par incantation. On n'a pas mieux que ça, d'accord. Ici je n'ai pas. On fabrique des reliques donc je regarde un peu, non. Et tous ces fragments agnose là, c'est incroyable. Ils ne rangent plus donc ils ne doivent plus avoir de place. Construire un stock. On va demander un coffre. Priorité absolue si possible. Pour les fragments quand même. En cuisine. Ah mais c'est ça. C'est ça. Il me reste combien de recousus? Transporteur, j'en ai plus que un. Transporteur recyclé. Quatre, ça suffira. Là, il n'y en a plus que un qui est vivant. Bon, Edith est vraiment occupé. Et oh, oh, c'est beau. Et ils sont doués. On va dire merci à Rose. On va gagner des reliques, hein, c'est ça qui est bien. On va vraiment diplômer Rose et Queen. Du coup, les repas. Ça remonte un peu. Merci à toi. Queen. Voilà. Voilà. On gagne des reliques. Et nous, on va invoquer... Si je veux un doué. Qu'est-ce qu'on va invoquer? Un mage de feu. Un initié doué. Ah, et il nous faut vraiment, du coup, deux membres foudre. Crotte. Donc il faut vraiment que je libère Osef, par exemple. On est bloqué avec dommages foudre. Ok. Je crois que c'était pas nécessaire, mais si, finalement, tant pis. Alors le jardin, on va mettre, bah oui. Voilà le râtelier. On va construire encore peut-être. Pâturage, on peut encore augmenter ou pas? Non. Et on va mettre le nid de rat.
Ça c'est top. La magie bien sûr. Là il va manquer quoi? Des vers d'herbe, 48. La classe pète le feu découvert. Oui. Enseignement, oui. Le bûcher. Oh là 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 là. On peut avoir des apprentis en feu, en obscurité, en foudre. Et ça, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Osef et Maudit. Oui, depuis le début. C'était un autre nom, mais je vais redonner le nom de Osef, ça me plaisait. Elle est prisonnière ici, Soren, tu vois. Et pour le retirer, il me faut quelqu'un du personnel. Donc il faut à tout prix que Tenshura finisse sa formation. Tenshura finisse sa formation. On est loin. Hein. Tu vois, tu gagnes 5 points d'incantation à chaque fois. Et dès qu'il est bon, on le passe. Enfin, on l'embauche, quoi. Je vois juste qu'il est fini complètement. Formation finie, meilleur bonus de relique. C'est l'obligation. Comme les épreuves de base quand t'es initié. Donc on va le laisser faire. Et on pourra libérer Osef. Question. Est-ce que j'aimerais pas un autre match de foudre? Je crois qu'on va invoquer un match de foudre. Normal. Ou pas. Il me faut des reliques, il me faut des reliques. Bon, en ce moment, on est dans l'élevage. Voilà. Autant avoir un peu de nature à la maison. Hein. Et on voit qu'ils ont tous un seul point lumineux. Ils doivent avoir la baguette tier 1. Tier 2, tier 3. D'accord, c'est leur vignette. C'est bien comme ça. C'est le matin. C'est qui dort là? Le petit Simon. Et qui est doué? On va garder Simon. Hein. Voilà Théo. Bonjour à toi. Théo. Vaincre des combats 3 fois, être plus reposé et relax en même temps, et manger 15 gruots amers. Théo m'embête. Pas de soupe de baie, pas de ragoût carcasse, que... du gruau amer. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Je n'ai plus de gruau amer. Ah, il va mourir de faim. Allez, c'est parti. Gruau amer, voilà, on en fabrique plein. C'est parfait. Le nid de rat se fait. Là, c'est un peu lourd hein, comme gestion aujourd'hui, quand même. Vert d'herbe, on n'a pas des masses, il m'en faudrait un peu plus. Pour repousser de la brume. On va chasser ou on va capturer. Ceux-là, on va les chasser. Par contre, la prairie sous la verrière, c'est un peu mieux. C'est bon, ça. Voilà, les transporteurs font leur taf. Bloc de fer, c'est bon. Pétale glacée, il en faut 32. Colonne extérieure. Euh...
C'est vraiment pour protéger la prairie, hein. Voilà, on a agrandi une deuxième verrière pour le jardin. Priorité, on va demander évidemment à Edith de bosser là-dessus. Hein. Et une nouveauté en mobilier, l'étagère à teinture, le chariot médical. On verra plus tard l'hôpital. C'est pas l'objectif du jour. L'objectif, c'est qu'on soit bien. Mais pour l'instant, vert d'herbe, on est rendu à combien? On n'a pas des masses. Pourquoi? Nourriture de rats. Ah, puis on a déménagé correctement au rez-de-chaussée, c'est pas mal. On verra après. Il faut de la prairie et des boyaux. Ouais. x12. Donc le problème, c'est la prairie, hein. Vraiment le nerf de la guerre. La brume se rapproche. Ah là 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 là. Il me faut 48 vers d'herbe. Allez, allez, allez. Ils sont au taquet avec les vers d'herbe, hein, en plantation, s'il y a besoin. Oh, c'est pas vrai. Chasser. Chasser. Élodie croit qu'a popé juste là. Râtelier vide. Comment ça? Oui, je sais. Un cristal est apparu. Ok. Ça folle pas. Voilà, ça c'est bon. Plus que 4 vers d'herbe et je suis bien. Edith, tu fais quoi? Laisse tomber les repas. Là, je commence à stresser depuis un épisode. Ragout 7. Ok, ça tient la route. On va laisser la scolarité se faire. Simon. Parce que t'es doué. Théo va monter tranquillement. Vers d'herbe, je crois qu'on est bon. Participer à deux rituels, donc c'est bon. Simon, tu vas participer et on repousse la brume. C'est parti. En plus, il pleut. Et on reste en x3 pour plus de plaisir ce matin. La saison migratoire décroît.
D'accord. C'est pour ça qu'on est embêté. Et Simon, du coup, 1 sur 2. Parfait. Fleur de phénix, pétale glacée. Oui, bon, bah, écoute. Hein. Théo devrait faire des combats. Eh ben, Théo t'emmène. C'est parti aussi, un petit combat. La flotte périaps a atteint le niveau 9. Ok, le temps qu'ils arrivent, on va être curieux. Qu'est-ce qu'on a comme relique de disponible? L'énergisée gouttelette. Ouais. Pas terrible, on pulvérise. C'est parce que c'est des initiés légers. Le trop développé. Après récolter plus 5 en conviction, bof, on va le pulvériser aussi. Le Tenshura Sage Club. Non. Le Sorens Resolugant, plus 15 max mana et plus 2 en puissance. Oh, c'est beau ça. Sorens nous a fait un beau cadeau. Album, quand il est parti, on va gagner des points de vie avec ça. Très belle relique aussi. Jusqu'à 200 points de vie au niveau 8. On a quelques reliques de sympa. Est-ce que Tenshu, tu peux te lier à des reliques? Bon, déjà, on va te prendre. Pourquoi je peux pas harmoniser? Sélectionner pour accorder. Voilà, c'est ça. Est-ce que j'ai autre chose ici? Non. Et en... Parce que là, il faut quoi? Tempérance. Et éclater. On va être priorité 5 quand même pour l'ombre. Bah écoute, si on s'occupe pas de toi, Tenshu, va te regarder au banc pour avoir ta relique, s'il te plaît. Et le combat! Oh là! Un golem! Vengeance ou boule de feu? Éclair. Voilà déjà, frappe plus petite 60. Ouais. Ça va, le golem prend cher. Infusion de puissance, non. Excroissance, vas-y. Non, et l'or encaisse. Hein. Un critique peut-être? Eh bien écoute, les carottes sont cuites pour toi. Et voilà, comme ça Théo est content. Oh là 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 là. Et Tenshura, Tenshura, je vais demander de se lier avec sa relique. Bon, on gère. On gère, on gère. Voilà, donc lui il est content, ça c'est fait, ça ça avance bien, encore deux combats. C'est bien. Tu
en train de t'harmoniser. Simon, bah du coup, Simon. À très fin, bah oui. Pas l'heure de manger ? On va demander à Simon d'aller manger. Hein. Allez, Simon, va manger un grue amer. C'est l'heure de la cantine, donc c'est bon. Je m'affole pour pas grand chose. Bah écoutez, un épisode de gestion quand même. On va rester là-dessus. L'agrandissement du jardin se fait. On a géré le surnombre d'initiés, surprise. Et on prépare l'enclos du rat. Nourriture pour rat 168. Donc on pourra voir au prochain épisode de la capture. Eh ben ça me plaît. On va sauvegarder là, YouTube. Tekapowa School, oui. On va revenir au menu. Voilà, c'était pour toi. Tekamon Mind Over Magic. C'était le 21e. On prépare l'enclos à rat. Et on verra au prochain épisode, prochain et dernier épisode du live. Il faut bien arrêter un moment de temps. En tout cas, petite pause, je vais me faire un café et je vous dis à tout de suite sur Twitch.